À la fin de ma thèse, je me suis intéressée à la question de la modélisation du geste. Comment peut-on inscrire la trace du geste? Car une fois qu'il a été fait, ce geste-là, par exemple, il disparaît. C'est à la fois une question de phénoménologie, mais c'est devenu aujourd'hui une question de physique et de technologie. On peut effectivement mesurer la trace d'un geste. On peut l'inscrire, on peut l'écrire. Ce qui m'a amené à me rapprocher de spécialistes de la technologie, de physiciens, mais également d'ingénieurs, pour essayer de comprendre comment, au sein de divers dispositifs technologiques, on pouvait capter la trace de ce geste. Pour capter un geste, on peut procéder de plusieurs façons. On peut procéder par tracking avec des caméras infrarouges. On peut procéder en motion capture, en système OptiTrack. On peut également travailler avec des capteurs de mouvement, accéléromètre, magnétomètre. Tous ces dispositifs permettent de mesurer l'apparition du geste de manière diverse, soit en cinématique, c'est-à-dire la forme d'un geste, soit en dynamique, en mesurant l'énergie, c'est-à-dire le poids et la relation d'un geste à une intensité de mouvement.